Actuellement, nous avons Assia qui est sur le tapis, qui a bientôt parcouru 100 mètres. Hein. Et je rappelle que pour chaque kilomètre parcouru sur ce tapis, la Société des Eaux de Marseille va reverser 10 euros au profit du nouveau musée de Notre-Dame-de-la-Garde. Et pour l'instant, regardez, pour l'instant, nous en sommes à 145 kilomètres. Et dans quelques minutes, sous vos yeux ébahis, nous atteindrons les 146 kilomètres grâce à Assia qui est au travail. Alors, nous en sommes à 390 mètres. La vitesse est actuellement de 4 km/h. Attention, 990 mètres. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, 990. Le kilomètre. Bravo. Vous n'allez pas me croire. Je passe devant, vous savez, le stand, on peut le dire, de la Société des Eaux de Marseille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on est en train de marcher pour le musée de Notre-Dame-de-la-Garde. Oh là là, alors ça me plaît. Ça veut dire que si moi je cours, vous pensez que j'arrive à le faire avant la fin de la chronique pour Monsieur Osmeng et tous les auditeurs de France Bleu Provence? On verra. Ça marche un petit peu, attention, voilà, ça, il faut que je marche, c'est ça, voilà. Attention, c'est parti, hop là, voilà. Alors je marche, voilà, je commence à marcher comme ça, Monsieur Osmeng. Je vois que c'est un tapis de course, ah oui, ça court vite quand même. Hein. Mais est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous voulez qu'on ralentisse? Non, ça va, c'est parti. Et là, Monsieur Osmeng, je pars à 10 km/h pour essayer de battre ce record pour la bonne mère de Marseille, Monsieur Osmeng. Alors les auditeurs et les auditrices, vous voyez que, oula, déjà je commence un peu. Ouais, c'est important, on est venu avec quelques nageurs ici pour justement participer à ça, et c'est vrai que la bonne mère étant de Marseille adoptive, c'est vrai que ça fait plaisir. 300 km c'est pas vraiment ma distance, mais ouais, c'est vrai que c'est assez sympa de participer à ça, et en plus de passer une barre, c'est cool. Ils ont été nombreux à venir sur le stand de la Société des Eaux de Marseille pour participer à cette action de solidarité en faveur de Notre-Dame-de-la-Garde. Enfants, adultes, sportifs de haut niveau, personnalités ont marché et couru, tous unis, pour cette même cause. Alors merci la salle. Octobre novembre. Et vive la bonne mère.